Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Demandez à un homme s'il préfère Tolstoï ou Dostoïevski, et vous connaîtrez le secret de son cœur, prétendait-il. Mais Georges Steiner, auteur d'un essai intitulé « Tolstoï ou Dostoïevski », ne choisissait pas entre ces deux géants de la littérature. Qu'il me soit donc permis d'affirmer mon inébranlable conviction que Tolstoï et Dostoïevski sont les plus grands des romanciers, écrivait-il. Ils excellent dans l'ampleur de la vision et dans la forme d'exécution. Sur France Culture, au milieu des années 60, en proposant à une année de distance des émissions consacrées à l'un puis à l'autre, Analyse spectrale de l'Occident ne tranchait pas davantage entre ces deux monuments de la littérature que tout, ou au moins beaucoup, opposait. En 1965, c'était d'abord sur l'œuvre de Léon Tolstoï que Pierre Cipriot invitait les auditeurs à se pencher. En ouverture de son émission, le producteur rappelait la filiation assumée entre l'œuvre de Tolstoï et celle d'Homère, à propos de laquelle Georges Steiner écrivait « Guerre et paix, Anna Karénine, la mort d'Ivan Ilitch, les Cosaques évoquent la poésie épique, non parce qu'ils nous frappent vaguement par leur étendue et leur force, mais parce que Tolstoï a visé à des ressemblances précises entre son art et celui d'Homère. La dimension épique de son œuvre, la nature, l'amour, la mort chez Tolstoï, des thèmes abordés dans un numéro d'analyse spectrale de l'Occident, diffusé la première fois le 13 mars 1965 sur France Culture. Analyse spectrale de l'Occident. Aujourd'hui, Tolstoï par Pierre Cipriot, assisté pour la réalisation de Hélène Delabrusse. Avec Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel de l'Académie française, Jean Guéhenot, André Mauroy, Henri Troyat, tous trois de l'Académie française. Avec des textes de Tolstoï, lus par Alain Cuny, Ledoux et Sylvia Montfort. Tolstoï est un géant parmi ses confrères en littérature, écrit Tourguenieff en 1864, après la publication de Guerre et paix. Dans son essai sur Tolstoï, Romain Rolland, se souvenant de ses années de l'école normale vers 1887, où tous ses camarades, pour des raisons diverses d'ailleurs, aimaient Tolstoï, en 1885-87, on venait en effet de publier en français Guerre et paix, Anna Karénine, Enfance et adolescence, La mort d'Ivan Ilitch. Dans son Tolstoï, donc, Romain Rolland écrit « Jamais voix pareille à la sienne n'avait encore retenti en Europe ». Pourtant, bien des idées, bien des formes de l'art de Tolstoï ont été empruntées. Sa vision épique de la vie, il la doit à Homère. Et d'après Gorki, Tolstoï disait de Guerre et paix « Sans fausse modestie, c'est comme l'Iliade ». Et à la fin de sa vie, l'œuvre d'Homère lui semblait le seul chef-d'œuvre intact dans l'inutile, la dérisoire littérature. Mais Tolstoï doit aussi beaucoup à Rousseau. Les pressentiments, les prédictions, les tentatives de réforme morale qui jalonnent son œuvre et en font la voie d'un développement spirituel. Avec Rousseau, il partage encore la conviction que la civilisation est construite sur le mensonge et l'arbitraire, que le seul problème moral est de revenir à une juste appréciation du réel, de la vie toute simple, qui n'a rien à voir avec les usages, les convenances, les lois, les besoins, les techniques de la société civilisée. Et ce thème, Tolstoï l'aborde de plein fouet dès Les Cosaques, médité dès 1852, il avait 24 ans, et publié en 1863. La plupart des romans de Tolstoï, écrit Henri Troyat, sont dominés par l'idée que la vraie vie de l'homme commence au moment où en lui les forces spirituelles triomphent de l'animalité. C'est l'idée centrale d'Ivan Ilitch, que Jean Guéhenot nous présentera à la fin de ce programme. C'est la trame aussi de Résurrection, le dernier roman écrit par Tolstoï à 70 ans, 1899, au point que l'intrigue dans Résurrection semble un moment de l'existence de Nekhliudov, qui va bien au-delà de ce qu'on nous a raconté de sa vie. L'existence de Nekhliudov recommence quand le roman finit. Dernière phrase de Résurrection. Cette nuit fut le début d'une existence nouvelle pour Nekhliudov. Non pas qu'il adopta un mode de vie différent,
mais tout ce qui lui arrivait à partir de ce moment lui apparaissait dans une lumière différente. L'avenir montrera à quoi allait aboutir cette nouvelle période de sa vie. Dans le même sens que Nekhliudov, 2 ans avant, en 1897, Tolstoï écrivait à sa femme « Je me suis transformé, non pour mon agrément, non pour la gloire, mais parce que je ne pouvais faire autrement. Créer des œuvres d'art pour vivre mieux, pour vivre plus intensément, avec plus d'abandon et de dévouement, faire servir l'œuvre en cours, si imaginaire soit-elle, si futile soit-elle, à quelque conversion spirituelle, réaliser dans l'écrivain et autour de lui, chez ses lecteurs, dans la société où il vit, un idéal de justice inévitable, nécessaire, ordre à la fois mystique et rationnel, telle est la nouvelle impulsion que Tolstoï a donnée à ce qu'il y a de plus futile, de plus gratuit dans la littérature, le roman. Cette tentative l'a amené sans cesse à mettre ses personnages au pied du mur, dans un serré tête-à-tête avec des questions fondamentales, les rapports entre les hommes et les femmes, la mort et, sur le plan social, le peuple et l'histoire à la fin de Guerre et Paix, le drame de la misère qui provoque passion, désespoir et haine dans la puissance des ténèbres, l'anathème contre les classes dirigeantes et l'appel à l'amour comme seul lien divin du monde dans Résurrection. En 1893, dans son journal écrit en marge de Qu'est-ce que l'art, où il s'en prend à l'art moderne qui, selon lui, est faussé, Tolstoï écrit « J'ai parcouru hier les livres de fêtes, romans, nouvelles, poésie. Je me suis rappelé notre vie à Yasnaya Polyana, nos interminables 4 mains au piano, et j'ai compris clairement que toute cette musique, ces romans et ces poésies, tout cela n'est pas de l'art. Que les hommes n'en ont nul besoin, que ce n'est qu'un amusement de profiteurs et de paresseux, que cela n'a rien à voir avec la vie. Les romans, les nouvelles, évoquent la façon dégoûtante dont 2 êtres s'amourachent l'un de l'autre. Les poésies célèbrent la façon dont on meurt d'ennui, la musique de même. Et cependant, la vie, toute la vie, bouillonne avec ses questions urgentes sur l'alimentation, le partage des biens, le travail, la religion, les rapports des hommes entre eux. C'est honteux, c'est ignoble. Aide-moi, Père, à te servir en dissipant le mensonge. » On comprend ainsi le sens de la citation de Romain Rolland que nous donnions en commençant. Jamais voix pareille à la sienne n'avait encore retenti en Europe. Le roman tolstoïen est un cas. Et un cas qui a posé un cas de conscience à toute la littérature. Balzac, Dickens, Hugo, avant lui, Maupassant, Zola, Proust, en même temps ou après lui, ont bien, comme le disait Balzac, porté une société dans leur tête, exploré ou dénoncé ses corruptions. Mais les romanciers russes jugent les écrivains occidentaux soumis aux nécessités sociales, plus historiens ou moralistes que vraiment pratiques. Après Résurrection, Merejkovski écrivait à Tolstoï « Votre roman est très au-dessus des misérables, parce que chez vous, il n'y a pas un brin d'idéalisme, d'invention, de littérature, mais uniquement de la chair, de la viande vivante. » Ainsi, Tolstoï veut écrire non plus comme on rêve, comme on aimerait vivre, mais comme on vit, et en se posant sans cesse la question « Que devons-nous faire pour mieux vivre ?» Tolstoï a fait du roman réaliste quelque chose de terriblement religieux, pour reprendre l'expression d'un autre romancier prophète, David Herbert Lawrence, ou si l'on veut, pour être plus exact, quelque chose de terriblement sérieux. À cette conception ouverte, pratique, efficace de l'œuvre d'art, qui la replace dans l'action humaine, cherchant ses buts avec son poids de préoccupations morales, religieuses ou philosophiques, à tout cela donc, l'école parisienne, marquée, qu'elle soit réaliste ou symboliste, par les théories de l'art pour l'art, l'école parisienne répliquait à Tolstoï « La faiblesse est de donner à l'art un but moral. » Joris Karl Huysmans. « L'art est son but à lui-même. » Rémy de Gourmont. « Ce sont les idées d'un vieillard. » Henri de Régnier. « Tolstoï a toujours le moujik dans sa poche. » André Suarez. Au fond, la seule façon de sortir de ces polémiques d'école et de comprendre
les intransigences de Tolstoï à l'égard de l'art et de la vie. C'est de voir comment il a vécu et écrit. C'est de voir pourquoi il a vécu et écrit. La sincérité de Tolstoï dans sa vie, sa soumission profonde à l'expérience, puis sa fidélité à ses convictions, c'est cela qui peut justifier le sérieux de son œuvre. Et c'est dans ce sens que nous allons dialoguer avec Henri Troyat, qui vient de publier chez Fayard une grande biographie de Tolstoï. Et la première question que je voudrais poser à Henri Troyat, qui nous parle de Genève, c'est précisément cette question de l'efficacité de l'étude biographique pour étudier l'œuvre de Tolstoï. Tolstoï ressemble à ses ouvrages. Oui, il est incontestable que Léon Tolstoï a tiré toute son œuvre de lui-même, de sa vie. Il a même noté dans son journal une phrase assez belle à ce sujet. Il dit « Le poète tire de la vie ce qu'il y a de meilleur en elle et le met dans son œuvre. C'est pourquoi son œuvre est belle et sa vie est mauvaise. » En fait, Léon Tolstoï a pillé sa propre vie et la vie de ses proches pour créer ses œuvres les plus importantes, et non seulement pour ses œuvres dont vous parliez tout à l'heure, pour enfance, jeunesse et adolescence, mais même pour un roman comme Les Cosaques, même pour Guerre et Paix, même pour Anna Karénine, encore plus pour la sonate à Kreutzer. Enfin, durant toute sa vie, il n'a cessé d'utiliser ce qu'il ressentait lui-même, ce qu'il éprouvait lui-même, pour le mettre dans ses livres. Je dois dire même à ce sujet, j'ai l'impression que, au fond, en distribuant ses sentiments contradictoires entre des figures de rêve, il retrouvait son unité et partant son équilibre. Pris par des personnages imaginaires, il n'avait plus le goût de s'analyser lui-même. Il souffrait moins parce qu'il distribuait ses souffrances et ses joies entre des héros imaginaires. C'est ainsi qu'il a agi au moment de Guerre et Paix. À ce moment-là, d'ailleurs, sa conception du roman était déjà entièrement formée. Pour lui, c'était un morceau de vie. Il voulait à tout prix peindre la vie telle qu'elle était, sans artifice. Je crois qu'il faut beaucoup insister sur ce point, que Léon Tolstoï a été un ennemi, il disait, un ennemi de l'art, en réalité un ennemi de l'artifice, un ennemi du truc. Alors on arrive à ce point qui me paraît capital dans la biographie que Henri Troyat vient de consacrer à Tolstoï, c'est la profonde modulation de cette vie au milieu d'une certaine monotonie, parce que finalement la vie dans le grand domaine de Yasyana Polyana est une vie monotone, c'est une vie de grands paysans russes, au milieu des traditions de la famille, au milieu des moujiks avec les réceptions d'été, l'ennui des journées d'hiver. Et finalement, en dehors même des quelques années de jeunesse, des crises d'amour, des éclairs d'illumination qu'il a pu avoir dans sa jeunesse, de l'inquiétude, de cette liberté ivre qu'il a vécue pendant ses années de liberté, de son temps de vie militaire au Caucase et à Sébastopol, la vie de Tolstoï est monotone. Et néanmoins, cette vie monotone est une vie modulée. C'est une vie modulée parce que c'est un homme qui était passionné d'idées, qui recherchait la vérité à tout instant, la vérité en lui-même, la vérité de Dieu, le sens de la vie. Au fond, et il changeait d'ailleurs d'opinion extrêmement souvent. Dans l'arsenal de ses idées, il n'y en a pas une dont il n'ait pris le contre-pied à tel ou tel moment de sa carrière. Sa femme ne partageait pas le destin d'un homme, mais de 10, de 20 hommes ennemis les uns des autres. L'aristocrate jaloux de ses prérogatives et l'ami du peuple habillé en moujik, le slavophile ardent et l'occidentaliste pacifique, le détracteur de la propriété privée et le seigneur agrandissant ses domaines, le chasseur et le protecteur des bêtes, le gros mangeur et le végétarien, l'orthodoxe à la mode paysanne et le démolisseur forcené de l'église, l'artiste et le contenteur de l'art, le sensuel et l'ascète. Si cette multiplicité de tendances psychologiques permettait à Léon Tolstoï de s'incarner en de nombreux personnages et d'être par conséquent un romancier hors ligne, elle compliquait la tâche de sa compagne. Tant de maris se succédaient auprès d'elle sous un même visage que pour conserver un semblant d'unité à sa vie, elle devait lutter contre les continuels changements de cap réclamés par Léon Tolstoï. Elle écrit d'ailleurs à ce sujet une phrase que je voudrais vous dire, que je trouve très curieuse. « Je ne pouvais
tout de même pas, avec mes enfants autour de moi, écrit-elle, me transformer en girouette et tourner de ça et de là, toujours dans la direction dans laquelle la pensée changeante de mon mari l'entraînait. Chez lui, c'était une ardente et sincère recherche de la vérité. Chez moi, cela n'aurait été qu'une aveugle imitation nuisible à toute la famille. Oui, et ce personnage polyvalent, ce personnage complexe que vous nous représentez à la fin de sa vie, se réfugiant dans son atelier certains matins, tantôt pour y écrire, tantôt pour y faire des bottes, selon le caprice du moment, cet homme qui se précipitait l'été à n'importe quel âge pour essayer de goûter la fraîcheur des forêts, plongeant dans les eaux les plus froides, menant une vie naturelle et en même temps éperdu de mysticisme, éperdu d'intellectualité, eh bien, cet homme, le problème pour lui, c'est évidemment de s'engager constamment dans toutes ses vocations, de ne pas rester un esprit à l'avant-vol, un bel infidèle, indisponible. Et on le voit avec une sorte de sublime foi d'artiste qui crée avec son sang, avec une exaltation du sacrifice et de la souffrance qui sont pour lui le lot du penseur. Et on le voit s'opposer ainsi à ce qu'il appelle les neutres. Les neutres, c'est Shakespeare, c'est Goethe. Et je crois que c'est un aspect aussi important et également contradictoire du génie tolstoïen, cette polyvalence, cette richesse d'humanité et en même temps le fait de s'engager à fond dans tout ce qu'il a pu aimer. Oui, incontestablement, Tolstoï avait horreur de l'immobilisme, pour employer ce mot affreux. Sa grande idée, c'était, au fond, l'amour du prochain, la soumission à l'instinct grégaire, la sanctification par le travail manuel, la non-résistance au mal par la violence. Et cela, il voulait l'exprimer à tout moment, en dehors de toute école. Il ne voulait pas s'engager dans une école, il voulait dire à tout instant ce qu'il ressentait, parce que c'était toujours cet amour de la vérité qu'il a constamment poursuivi. C'est d'ailleurs à cause de cet amour de la vérité qu'il a écrit ce journal intime qu'il tenait depuis l'âge de 15 ans et dans lequel il se dénonçait, il se couvrait d'injures, il révélait ses pires défauts. Toujours par amour de la vérité, toujours pour ne pas être immobile, pour essayer d'aller de l'avant, pour essayer de se perfectionner. Oui, c'est certain, c'est l'observation de lui-même qui l'a mené à la littérature. Et ses idées, les quelques idées qu'il a pu mettre en place, constamment il les a éprouvées par l'expérience de sa famille qui vivait autour de lui et sur laquelle il faut constamment insister si on veut comprendre le cas Tolstoï, et puis sur le mouvement de ses idées dans le monde, leur possibilité de propagation. Maintenant, ce qui est assez curieux, c'est que cette méthode d'édification par l'examen écrit, qu'il a entrepris pour lui-même et ensuite pour lui-même et pour sa femme, puisqu'il tenait un journal en partie double et qu'il s'observait l'un l'autre à travers ce journal, on le voit ensuite projeter ses vertus de l'écriture sur ses personnages. Et il a écrit une phrase que j'aimerais citer: si l'on n'aime pas ses personnages, même les moindres, alors il faut les insulter de telle façon que le ciel en est chaud, ou se moquer d'eux jusqu'à ce que le ventre en éclate. C'est l'attitude même de Tolstoï en face de ce qu'il peut écrire de lui-même. Tantôt la dérision de son existence, tantôt le sublime de son existence. Et alors cette conversion de Tolstoï à ses personnages, à ce qu'il attend d'eux, c'est une chose passionnante de son métier d'écrivain, enfin, tout au moins il me semble. Ah oui, c'est très intéressant. Et il y a notamment un personnage pour lequel je trouve que l'aventure est très amusante. C'est le personnage d'Anna Karénine. Dans la première idée de Tolstoï, Anna Karénine était un personnage antipathique et qui plus est, c'était une femme laide. Il disait d'elle, dans son carnet de notes, elle est laide, avec un front petit et bas, un nez retroussé et en outre, elle est grosse. Et peu à peu, ce personnage qu'il voulait laid, qu'il voulait presque un peu ridicule, qu'il voulait répugnant, s'est emparé de lui à un point tel qu'il en a fait une sorte de beauté. Et c'est le cas le plus étrange, le plus charmant, de la séduction du créateur par sa créature. D'ailleurs, quand il décrivait ses personnages, il avait un procédé dont je crois qu'il faudrait parler, qui est très curieux, c'est ces petites notations, ces petites touches
qui arrive à cerner un personnage. Par exemple, le personnage de Kutuzov, il est toujours épais et somnolent. La petite princesse Marie de Kerepe, on voit sa lèvre supérieure est courte et légèrement ombrée. Et cette lèvre supérieure courte et légèrement ombrée revient presque chaque fois que le personnage apparaît. La belle Hélène, qui est l'épouse de Pierre Bezoukhov, chaque fois qu'elle apparaît, on parle de ses épaules et de sa gorge de marbre. Vous parlez, Henri Troyat, d'écriture par touche, c'est un peu ce que vous nous disiez tout à l'heure, mais en même temps, cette écriture par touche est l'occasion de toute une sorte de mobilité. Les personnages se prennent au piège les uns des autres. Au fond, Vronsky se définit dans Anna Karénine le jour où il voit un prince qui vient à Saint-Pétersbourg et qui lui paraît, dans son dilettantisme, dans sa vie extérieure, lui ressembler comme un frère. Et tout cela arrive au milieu du roman, alors que Vronsky est devant nous depuis au moins 400 pages. Et je crois que nous pourrions en dire autant de tous les personnages de Tolstoï. Absolument, de tous les personnages de Tolstoï. Tolstoï nuance beaucoup ses portraits. Le mot nuance revient souvent sous sa plume. Tel personnage sourit avec une nuance de condescendance, avec une pointe de mélancolie, etc. Et alors, il y a surtout une chose qui est très curieuse dans la façon de travailler de Tolstoï, c'est qu'il décrit chacun de ses personnages dans les impressions que les autres reçoivent de ces personnages. Ce qui fait que ce personnage apparaît tantôt sympathique parce qu'il est vu par un tel, tantôt un peu moins sympathique parce qu'il est vu par tel autre. Et de cette façon-là, nous n'avons pas du personnage une vue qui est prise toujours du même côté, mais nous tournons autour de ce personnage. Et c'est ce qui donne cette impression de mobilité dont vous parliez tout à l'heure, de souplesse extraordinaire et de vie. Oui, et c'est d'ailleurs le roman tolstoïen lui-même, qui est toujours composé de plusieurs intrigues qui se développent simultanément. Alors évidemment, il y a un Orient, il y a un Occident, il y a des tentations vers la lumière, il y a des tentations vers l'ombre, et il est assez curieux, par exemple, de voir aussi bien dans Anna Karénine un personnage comme Lévine, qui sert un peu de modèle pour tout ce ménage qui va de Guingois, aussi bien des Oblonsky que de Anna Karénine et de Vronsky quand ils vivront ensemble, et également dans Guerre et Paix, le personnage de Platon Karataïev, qui à la fin servira de modèle dans son abnégation, enfin ce pauvre moujik simple, pieux, résigné, qui a un bon sourire en face des souffrances et qui servira de modèle à tous les personnages de Guerre et Paix. Incontestablement. Au milieu de toute cette discrétion de Tolstoï, ce sens du réel en face de ces personnages, il y a quelque chose qui est troublant, c'est en même temps ce qu'il y a de catégorique, et cela dès sa jeunesse, dans toutes ses affirmations morales. Alors il y a un peu une opposition, il me semble, entre le moraliste et le romancier. Enfin, c'est d'ailleurs une opposition sur laquelle Sonia Tolstoï insistait quand elle recommandait à son mari d'éliminer un peu les passages philosophiques de Guerre et Paix qui lui semblaient d'une autre patte que l'écriture même du réel auquel il avait soumis ses personnages. Oui, c'est d'ailleurs très curieux, car ce sens de la nuance qu'il a si profondément en lui lorsqu'il s'agit de ses personnages, il le perd totalement lorsqu'il s'agit d'idées. Lorsqu'il manie des idées, il est aussi tranchant, il est aussi lourd qu'il est léger de pattes lorsqu'il s'agit de peindre ses héros. C'est très curieux. D'ailleurs, je crois que ça remonte très loin, puisque on a toujours parlé du sérieux de Tolstoï, et lui-même a écrit à propos de Natacha, et dans une certaine mesure, Natacha lui ressemble, elle veut toujours tout soumettre à une question, elle ne savait rien faire que du fond de l'âme et de toutes ses forces. Enfin, nous avons parlé tout à l'heure de Tolstoï, l'homme aux passions diverses, mais c'est toujours avec la même passion qu'il a toutes les passions. Absolument. Absolument. Tolstoï se donne entièrement et totalement à chacune de ses idées, à chacune de ses passions. Il creuse un sillon profond, il avance sans se retourner avec la pesanteur d'un bœuf. Et quand il constate qu'il s'est trompé, eh bien, il ne prend pas un biais. Non, il se retourne tout d'un bloc et il prend le contre-pied de ce qu'il a dit la veille. Avec la même violence et la même foi. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui donne à certaines œuvres cet aspect totalitaire, excessif, qu'on peut reprocher d'ailleurs à la sonate à Kreutzer, par exemple. Oui, incontestablement, la sonate à Kreutzer est une sorte de réquisitoire terrible contre la sensualité, contre la procréation, contre le mariage. D'autant plus ahurissante qu'à l'époque où il l'écrivait, Tolstoï avait encore des rapports très suivis avec sa femme et que sa femme même craignait d'avoir un enfant alors que lui publiait un roman
pour dénoncer et pour condamner la procréation dans le mariage. J'aimerais que Henri Troyat maintenant nous dise quelles sont au fond les idées générales qui reviennent le plus souvent dans les romans de Tolstoï, puisque il nous a dit lui-même que ce qui l'intéressait dans la littérature, c'était de dire des choses essentielles. L'idée générale que l'on retrouve dans tous les romans de Tolstoï, c'est qu'il ne faut pas vivre pour soi-même, mais pour les autres, et à travers les autres, pour Dieu. Je crois que cette idée se retrouve d'un bout à l'autre de son œuvre. Maintenant, alors ce Dieu, je crois que nous pourrions en parler un petit peu, parce que finalement, malgré quelques illuminations, on ne peut pas dire que Tolstoï ait eu des visions, et son Dieu, il me semble, reste un Dieu terrestre. Son Dieu est un Dieu... Même personnel. Son Dieu est un Dieu personnel, c'est-à-dire que c'est un Dieu qui est conçu tout à fait en dehors des dogmes de l'Église, parce que pour Tolstoï, Dieu se confondait en quelque sorte avec le sentiment de la nature. Il disait lui-même qu'il avait plus le sentiment d'être proche de Dieu lorsqu'il se trouvait dans une forêt que lorsqu'il se trouvait dans une Église. Donc, c'était un Dieu assez vague, dont la notion était très profondément ancrée en lui. Il a essayé à un moment donné de se rapprocher de l'Église orthodoxe, de croire comme les moujiks, et puis il s'est aperçu très vite qu'il était incapable d'obéir à une religion qui lui était donnée de l'extérieur, et qu'il fallait qu'il ait une religion à lui. Et cette religion personnelle, eh bien, c'est une religion qui s'inspire beaucoup du sermon sur la montagne et qui, au fond, est une religion très simple qui consiste à dire qu'il faut aimer son prochain, ne pas faire de mal et ne pas résister à la violence par la violence. Enfin, ce qui est assez curieux, c'est de voir, quand on lit votre livre, Henri Troyat, combien tout cela, au fond, était latent chez lui. Enfin, des guerres épais, tout cela est posé, enfin, ces sentiments naturels, même dès les Cosaques, puisque les Cosaques, c'est au fond l'affranchissement d'un homme qui vient d'une société comme il faut, en face d'un monde qui est le monde naturel et auquel il doit se soumettre pour retrouver ses véritables convictions. C'est le côté sermon sur la montagne, c'est aussi le côté Rousseau de Tolstoï. Mais oui, bien sûr, Tolstoï d'ailleurs a été marqué par Rousseau dès son plus jeune âge. Et je le répète, on n'a pas assez insisté, je crois, sur le fait que pour Tolstoï, Dieu et la nature se confondent, et que de même que dans les Cosaques, le héros avait la révélation de la nature et à travers lui d'un certain mystère qu'on peut appeler Dieu, eh bien, cette même révélation de la nature et de Dieu à travers la nature, nous le retrouvons d'un bout à l'autre de ses livres. Nous le retrouvons même lorsque le prince André est couché sur le champ de bataille de Borodino. Nous le retrouvons à tout instant et chez Lévin et chez tous ses héros. Oui, c'est Dieu, c'est la nature, mais c'est aussi, alors là nous retrouvons peut-être un autre intercesseur de Tolstoï, Homère, c'est le Logos, parce que finalement c'est en pensant bien que l'on trouve Dieu, et il n'y a chez Tolstoï aucune espèce de démission de la raison. Maintenant, cette raison, selon lui, ne peut pas être définie, elle ne peut pas être plus définie que Dieu n'est définissable. Nous n'avons d'ailleurs pas besoin de la définir, car non seulement nous la vivons en nous-mêmes, mais au fond, dans tous les actes de notre vie, nous ne faisons que reproduire cette raison, si oui, nous vivons d'une manière naturelle. Oui, et pour Tolstoï, il faut vivre de la manière la plus naturelle qu'il soit. Sitôt qu'on s'éloigne de la nature, sitôt qu'on s'éloigne des gens simples, de la vie simple, des besoins élémentaires, eh bien, on trahit sa vocation d'homme. Alors c'est là que j'aimerais reprendre cette discussion sur la sonate à Kreutzer, parce que précisément, ça me paraît démentir ces convictions, puisque la sonate à Kreutzer défend une conception de l'amour qui n'emprunte plus rien à la vie charnelle, au point de souhaiter même une mort de l'humanité, puisque la chair, c'est le mal. Oui, vous avez tout à fait raison. Car dans la sonate à Kreutzer, il y a une phrase ahurissante, il y en a plusieurs d'ailleurs, mais enfin, l'une notamment qui dit « Est-ce que le genre humain va disparaître, écrit-il, parce qu'une dizaine ou une vingtaine d'hommes refusent de se conduire comme des porcs ?» Et tout en écrivant cela, eh bien, il craignait que sa femme ne fût enceinte, et notait dans son journal « Et si un nouveau bébé naissait, combien j'aurais honte devant les enfants ?» Ils confronteront la date de la conception avec celle de la rédaction de la sonate. Oui, d'ailleurs, alors, à la même époque, il y a cette lettre à sa fille Tania. Ah oui, une lettre insensée. J'aimerais vous la lire. Donc, il s'agit de Tania, sa fille, qui lui annonce qu'elle voudrait se marier. Et Tolstoï lui répond.
J'ai reçu ta lettre, chère Tania, et je ne puis absolument pas te répondre comme tu le voulais. Je comprends qu'un homme dépravé trouve son salut dans le mariage, mais qu'une fille pure veuille aller dans cette galère, c'est ce qu'il est difficile de comprendre. Si j'étais jeune fille, je ne me marierais pour rien au monde. Quant au fait d'être amoureux ou amoureuse, sachant en quoi cela consiste, c'est-à-dire sachant que loin d'être beau, élevé et poétique, c'est un sentiment vil et surtout maladif, je n'aurais pas ouvert ma porte à ce sentiment. Je me serais conduit avec autant de précautions et de soins pour n'être pas contaminé par cette maladie que si j'avais dû me préserver de maladies bien moins dangereuses telles que la diphtérie, le typhus ou la scarlatine. Il te semble en ce moment que sans cela il n'y a pas de vie. Il en est de même pour les ivrognes et les fumeurs. Mais lorsqu'ils s'affranchissent de cet esclavage, ils découvrent la vie véritable. Et tout à l'heure, nous parlions de cette raison, de ce logos qui, dans une certaine mesure, se confond avec Tolstoï pour la nature. Mais je me demande s'il n'y a pas à noter chez lui une évolution essentielle qu'on retrouverait d'ailleurs dans les romans de la fin de sa vie, dans Résurrection, dans La mort d'Ivan Illich aussi. Peu à peu, on a l'impression que la raison, cette raison qui dans Guerre et Paix, qui dans Anna Karénine encore, est liée à la terre, est liée à la vie, devient de plus en plus quelque chose en dehors de ce qu'il appelle l'activité animale. Il y a le monde de l'activité animale qui répond à des mécanismes qu'il dénonce d'ailleurs, contre lesquels il s'emporte, et puis il y a le monde de la raison qui devient de plus en plus sublime, qui se perd dans une tentation extrêmement difficile, celle précisément de la grande conversion, cette conversion à Dieu dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire la mort à l'existence individuelle. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que dans les débuts de sa vie, à l'époque de sa maturité plus exactement, il est incontestable que Léon Tolstoï avait de la vie une conception très saine, une conception naturelle. Il prônait le mariage, la fidélité, la vie de famille, le bonheur dans la chaleur du clan, dans la chaleur de la tribu. Et puis, peu à peu, il a pris en horreur tout ce qui était justement trop terrestre, tout ce qui était charnel. Il a pris en horreur sa propre santé, ses propres instincts. Et c'est, au fond, pour combattre cette santé, pour combattre ses instincts qui, lui semblait-il, le rapprochaient de la bête, qu'il s'est élevé de plus en plus à une sorte de philosophie nébuleuse. Maintenant, ce qui est surtout, finalement, émouvant dans cette vie, tel que vous nous l'a raconté Henri Troyat, c'est à mesure que cette foi se développe, cette foi qui peut rester nébuleuse, néanmoins Tolstoï y sacrifie tout, tout y passe. La femme, les droits d'auteur, les biens, l'argent, au point qu'il est heureux de ne pas avoir reçu le prix Nobel, parce que le prix Nobel c'est de l'argent, et toute sa vie individuelle, tout son bien individuel. Alors là, il me semble que nous avons la possibilité de juger Tolstoï moraliste au pied de la lettre. Au fond, il a quand même vécu ce qu'il a prêché. Oui, voyez-vous, moi je trouve que Tolstoï est émouvant et prodigieusement émouvant, non pas tellement par la doctrine qu'il a laissée, mais par les souffrances qu'il a endurées pour mettre cette doctrine en pratique, non pas par sa philosophie dont il faisait tant de cas, mais par son art qu'il dénigrait dans les derniers temps de sa vie, non pas pour ses explications confuses du ciel, mais par sa connaissance passionnée de la terre. Au fond, Tolstoï m'émeut à la fois parce que il a tenté l'impossible pour mettre en accord sa vie avec ses convictions, et émouvant également parce qu'il a essayé de dénigrer son art et qu'il n'est pas arrivé à être autre chose qu'un prodigieux artiste. Pour vous, Henri Troyat, qu'a été ce grand travail sur Tolstoï? Avez-vous participé à tout cela avec une impression de difficulté? Avez-vous senti chez Tolstoï quelque chose d'impur? C'est ce qu'on lui a reproché parfois, d'être le vieux sorcier, c'est ce que disait Gorki. Ou au contraire, avez-vous le sentiment qu'il y a, comme le disait Tolstoï lui-même, des ailes puissantes, un envol? Écoutez, il est incontestable que le personnage de Tolstoï est probablement le personnage le plus complexe, le plus contradictoire, le plus admirable qui soit. Quand j'ai étudié Tolstoï, j'ai eu constamment la sensation d'une succession d'états de sincérité. Chaque fois qu'il m'irritait par une volte-face,
J'étais obligé de convenir que cette volte-face procédait tout de même de quelque chose de profondément vrai en lui, d'indispensable, que ce n'était pas de la comédie. Et donc on ne peut pas en vouloir à un homme qui change d'avis et qui se jette d'une folie dans une autre si il n'y a pas de part de comédie chez lui dans ce cas-là. Eh bien, c'est ce sentiment que j'ai eu d'un bout à l'autre. Et lorsque j'ai écrit cette biographie, je n'ai pas essayé de juger Tolstoï en historien, de le voir de l'extérieur. J'ai essayé en quelque sorte de vivre cette vie en même temps que lui et de découvrir cette vie comme il la découvrait lui-même et de la ressentir comme il la ressentait lui-même à travers ses journaux, à travers ses lettres. Par conséquent, pour moi, ça a été un travail passionnant, aussi passionnant que la rédaction d'un roman dont le personnage principal serait un être démesuré. Un être démesuré et un être intense, et je crois que le dernier mot de tout cela le laisser à Tolstoï quand il a dit qu'il était fou de la vie. Il reste une heure pour dégager les grandes lignes de l'œuvre de Tolstoï et fixer quelques thèmes. D'abord l'œuvre. Comme il faut en une heure aller à l'essentiel, résumons l'œuvre en un livre. Le maître livre, le grand travail, Guerre et paix, 1500 pages, 6 volumes dans l'édition originale, paru en 1868 en Russie. Une montagne de feuillets que Sonia Tolstoï recopia 7 fois, les doigts crispés sur la plume, les épaules courbées, les yeux douloureux, mais ne sentant pas sa fatigue. Dès la publication, Guerre et paix fera de Tolstoï le lion de la littérature russe, Gontcharov. Un géant, dira Tourguenieff. André Mauroy de l'Académie française a dit bien souvent que Guerre et paix était plus vaste que tous les romans qui ont été écrits. Une sorte de sommet de la souveraineté. Nous voudrions demander à André Mauroy de nous dire pourquoi ce roman s'est ainsi imposé à lui. Je tiens Guerre et paix pour le plus beau roman qui ait jamais été écrit en tout temps et en tout pays. Non que je me plaise naturellement à établir une hiérarchie ou un classement parmi les chefs-d'œuvre. Comparer Stendhal et Tolstoï, Dickens et Balzac, leur assigner des rangs serait l'exercice le plus vain et le plus sot. Guerre et paix ne peut pas être un meilleur livre que La Chartreuse de Parme, puisque La Chartreuse est en soi un livre parfait. Non, je veux dire seulement que le grand roman de Tolstoï est le plus proche de la vérité totale, le plus romanesque au sens complet du mot, le plus profondément humain qui ait jamais été conçu et exécuté. Ici, en 1500 pages, un monde fut créé. Un monde aussi vrai que le monde réel, plus vrai même, car nous connaissons la famille Rostov, la famille Bolkonski, Boris Drubetskoy et sa mère, le prince Basile et sa fille, mieux que nous ne connaissons nos amis et notre propre famille. Natacha Rostov éveille en nous un intérêt plus vif, obtient de nous plus de compréhension affectueuse qu'aucune femme vivante. Je devine chez le prince André une âme fraternelle. S'il est un être au monde que j'aurais voulu avoir pour ami, c'est celui-là. Et cette vie plus que vivante, cette réalité plus que réelle, je les retrouve même chez des comparses. Je connais Toudine, Denisov, Berg, mieux que des officiers avec lesquels j'ai fait campagne. Oui, vraiment, Tolstoï démiurge, a modelé tout un canton de l'univers et l'a peuplé de ses créatures. Jamais d'ailleurs romancier ne fut mieux placé pour accumuler les matériaux d'un ouvrage. Tolstoï appartenait à deux familles anciennes, illustres, et ses ancêtres avaient joué des rôles importants dans l'histoire de la Russie. Son grand-père maternel, le prince Nicolas Bolkonski, lui fournira un modèle pour le vieux prince Nicolas Bolkonski de son roman, et le domaine de ce prince dans le livre, Lysia Gori, les Monts Chauves, rappelle Yesnaya Polyana. Non qu'un grand romancier copie jamais sans le retoucher un modèle vivant, un personnage est une somme, le prince Volkonski sera le prince Bolkonski dans la mesure assez faible où Thiers était Rastignac. Pour créer la famille Rostov, Tolstoï s'est servi à la fois de sa famille paternelle et de celle de sa femme. Le père de son père, Ilia Andreevitch Tolstoï, avait été un grand seigneur,
assez semblable au vieux comte Ilya Andreevitch Rostov. Il avait ruiné les siens par sa folle générosité, par son inaptitude à l'administration de ses biens. Tolstoï ne l'avait pas connu, mais avait entendu sur lui mille récits. De son propre père, Nicolas Ilyitch Tolstoï, il a fait Nicolas Ilyitch Rostov, il ne changeait même pas les prénoms, et toute l'histoire de Nicolas, amoureux de Sonia, et renonçant à ce mariage d'amour pour épouser une héritière et sauver la famille, avait été celle-même de Nicolas Ilyitch Tolstoï. Les beaux-parents de Tolstoï, les Berses et leurs amis de Moscou, avaient apporté au moulin du romancier des sacs de grains très précieux. Les trois sœurs étaient entrées dans le roman. De l'aînée, Lisa, il avait fait Vera Ilyichna Rostov, qui dit toujours exactement ce qu'il faut et qui pourtant met tout le monde mal à l'aise. L'exquise Natacha Rostov, c'était pour une grande part la jeune belle-sœur de Tolstoï, Tatiana Bers, gaie, brillante, capricieuse, toujours prête à raconter ses amours à son beau-frère, qu'elle comprenait mieux que personne. Mais d'autres éléments de Natacha venaient de Sonia Tolstoï, de la propre femme de l'auteur. « J'ai pris Sonia, disait-il, je l'ai pilée avec Tatiana et il en est sorti Natacha. » Et voilà la vérité. Aucun personnage de roman, si l'auteur a du génie ou même du talent, n'est copié trait pour trait sur un être réel. Tolstoï a peu à peu conçu à la lettre Natacha. À partir du moment où il a bien connu cette fille de son esprit, chaque fois qu'il s'entretenait avec Tania, avec Sonia, avec d'autres jeunes filles, il savait extraire de chacune la part de Natacha qu'elle contenait. Parfois, la lecture d'un roman lui apportait l'idée d'un trait ou d'une scène. Un personnage se nourrit de la vie du romancier et de ceux qui l'entourent. Il se développe dans l'imagination comme l'enfant qui, dans le ventre de sa mère, absorbe les mêmes nourritures que celle-ci. Dans la plupart des grands romans, on trouve au centre de la toile un personnage, le héros, à travers lequel nous sont présentés les événements. Dans La Chartreuse, c'est Fabrice. Dans Le Rouge et le Noir, Julien Sorel. Dans Le Lys, Félix de Vandenesse. Dans Madame Bovary, Emma. Le monde tourne autour du héros ou de l'héroïne et se transforme pour le lecteur comme dans la pensée du personnage central. Tolstoï, démiurge tout-puissant, n'a pas besoin de ce truchement. Il se place au point de vue de Dieu. Chaque personnage vit pour lui-même et se fait son propre romanesque. Toutefois, nous sentons bien que l'auteur est présent en certains caractères. Par exemple, dans Guerre et Paix, Tolstoï se dédouble. Il prête des morceaux de son âme au prince André Bolkonski et à Pierre Bezoukhov. Peut-être pourrait-on dire que le prince André le représente irritable, mécontent de soi-même, noble et malheureux tel qu'il était au moment de son mariage, et que Pierre Bezoukhov, au contraire, est l'homme qu'il voudrait devenir. L'un et l'autre, comme le Lévin d'Anna Karénine, qui est aussi une projection de Tolstoï, ont le désir passionné de bien agir. Tous deux souffrent de scrupules, mais le prince André ne comprend la vie qu'au moment où il va mourir, tandis que Pierre, après son mariage avec Natacha, connaît le bonheur et devient lui-même un exemple, un modèle, pour le fils du prince André, Nicolas Andreevitch Bolkonski. Après l'œuvre, ou plutôt une œuvre, Guerre et Paix, que vient de présenter André Mauroy, les thèmes. Les thèmes, ou plutôt deux thèmes, que nous avons choisis. Deux thèmes graves qui sont pour Tolstoï toute notre existence. L'amour, la mort. Le thème de la mort dont Tolstoï, dès son plus jeune âge, a été averti. Pourquoi, se demandait le petit Léon devant le cercueil de sa mère, il avait à peine 2 ans. Son père mourra quand il en a 9. Ce thème de la mort, Jean Guénaud le traitera tout à l'heure en commentant la mort d'Ivan Ilitch. Quelques mots et quelques textes donc, d'abord sur l'amour. Poussé très jeune par son souci de sincérité, dans son journal tenu régulièrement dès cette époque qu'il appelle le désert de l'adolescence et où il se juge déjà avec une clairvoyance impitoyable, Tolstoï note en lui 3 démons. 3 démons et le coefficient de résistance qu'il peut leur opposer. Premièrement, passion du jeu, lutte possible.
Deuxièmement, sensualité, lutte très difficile. Troisièmement, vanité, la plus terrible de toutes. À mesure que les années passent, qu'il prend le large, oublie ses pudeurs d'adolescent, s'en paix avec des paysannes sur ses terres, des tziganes en ville, vit en soldat, c'est-à-dire en soudard, au Caucase et à Sébastopol, en octambule docile aux accosteuses à Paris, ce diable d'homme pense de plus en plus, chose curieuse, chose rare, à la moralité. À Paris, il entend une danseuse de l'opéra, Louise Fitzjam, dire « On n'est jamais aussi vicieux qu'on voudrait l'être », et il s'indigne. Car de plus en plus, il pense à l'amour, un grand amour qui le sauvera de ses vices et le placera dans la vérité. « La beauté et l'amour, écrit-il dans Guerre et Paix, ces deux raisons de vivre. » Revenu en Russie, le 23 septembre 1862, Tolstoï se marie avec Sophie Andreïevna Bers, née le 22 août 1844, donc plus jeune de 16 ans. Et le 1er mars 1863, 8 mois donc après son mariage, il écrit dans son journal « Nous avons senti tout récemment que notre bonheur était effrayant. Nous nous sommes mis en prière. » À ce bonheur, il s'était pourtant préparé en écrivant dès 1859 le bonheur conjugal, nouvelle inspirée par une liaison avec une jeune voisine, Valérie Arseniev. Nouvelle prémonitoire où est déjà posée la distance incalculable entre la femme, douce mais oisive, personnelle, expiègle, indépendante, moins par nature que pour se prouver qu'elle n'est pas sous l'influence de son mari. La distance entre cette femme, donc, et l'homme. L'homme occupé, fortement intériorisé, inquiet, qui donne l'impression de n'avoir besoin de personne. Sylvia Monfort lit un extrait du Bonheur conjugal. Ainsi passèrent 2 mois. L'hiver vint avec ses froids et ses tempêtes. Et bien qu'il vécût avec moi, je commençais à me sentir seule. Je commençais à trouver que la vie se répétait. Qu'il n'y avait rien de nouveau ni en lui, ni en moi. Mais qu'au contraire, nous retournions en quelque sorte à notre passé. Il se remit à son travail, sans moi, plus qu'avant. Et j'eus de nouveau l'impression qu'il avait en lui un monde à part dans lequel il ne voulait pas me laisser pénétrer. Sa perpétuelle sérénité m'irritait. Je ne l'aimais pas moins qu'avant. Et n'était pas moins heureuse qu'avant par son amour. Mais mon amour s'était arrêté et ne grandissait plus à côté de lui. Un nouveau sentiment d'inquiétude commençait à s'insinuer dans mon âme. Après le bonheur que m'avait donné cet amour, c'était peu pour moi d'aimer. Je désirais le mouvement, non le cours tranquille de la vie. J'avais soif d'émotion, de danger, d'abnégation pour mon sentiment. Il y avait en moi un excédent de force qui ne trouvait pas sa place dans notre vie paisible. Je fus prise d'accès de mélancolie que je m'efforçais de lui cacher, comme s'ils étaient répréhensibles, et d'accès de tendresse éperdue et de gaieté qui l'effrayait. Il avait remarqué mon état avant moi et m'avait proposé d'aller à la ville, mais je l'avais prié de ne pas partir et de ne pas changer notre genre de vie, de ne pas troubler notre bonheur. Et réellement, j'étais heureuse. Ce qui me tourmentait, c'était que ce bonheur ne me coûta aucun effort, aucun sacrifice, alors que l'énergie de l'effort, du sacrifice, m'accablait. Je l'aimais, et voyais que j'étais tout pour lui. Mais j'avais envie que tous voient notre amour, qu'on m'empêche de l'aimer. Je l'aurais aimé tout de même. Cet état agissait même sur ma santé. Et mes nerfs commençaient à être ébranlés. Un matin, ce fut pis que d'habitude. Il revint du bureau de mauvaise humeur, ce qui lui arrivait rarement. Je m'en aperçus aussitôt, lui demandai ce qu'il avait, mais il refusa de me le dire en prétendant que cela n'en valait pas la peine. Ainsi que je l'appris plus tard, l'officier de police avait convoqué nos moujiks et, par malveillance à l'égard de mon mari, leur avait réclamé quelque chose indûment et les avait menacés. J'eus l'impression qu'il évitait de m'en parler parce qu'il jugeait que j'étais une enfant qui ne pouvait comprendre ce qui l'occupait. J'avais envie de pleurer. Qu'est-ce qu'il va imaginer, me disais-je. C'est une stupidité et ça lui paraît important. S'il essayait de m'en parler, je lui démontrerais que ce sont des niaiseries.
Non, il a besoin de croire que je ne le comprendrai pas, besoin de m'humilier avec son calme majestueux et d'avoir toujours raison. Par contre, moi aussi j'ai raison quand je m'ennuie, quand la vie est vide, quand je désire vivre, bouger, songeais-je, et non rester à la même place et sentir que le temps passe à travers moi. Je veux aller de l'avant, chaque jour, à chaque heure, il me faut du nouveau, tandis que lui, il veut s'arrêter, et m'arrêter à côté de lui. Et cela lui serait facile, pourtant, il n'a pas besoin pour cela de m'emmener à la ville, il n'a besoin que d'être comme moi, ne pas se tourmenter, ne pas se retenir, mais vivre simplement. C'est cela même qu'il me conseille, mais lui, il n'est pas simple. Voilà ce qui est. Macha, tu es de mauvaise humeur, me dit-il. Je répondis par un coup d'œil froid, qui disait, en voilà une question. Quelles sont ses gracieusetés? Il hocha la tête et sourit timidement, tendrement. Mais pour la première fois, mon sourire ne répondit pas au sien. Qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui? Lui demandai-je. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Des bêtises, une petite contrariété, me répondit-il. Cependant, je peux te le raconter. Deux moujiks se rendirent à la ville, mais je ne le laissais pas achever. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé tout à l'heure? Je t'aurais dit des sottises, j'étais en colère. Mais c'était à ce moment-là que j'en avais besoin. Pourquoi? Pourquoi penses-tu que je ne peux jamais t'aider en rien? Moi, penser, dit-il en jetant sa plume, je pense que je ne peux pas vivre sans toi. En tout, non seulement tu m'aides, mais tu fais tout. En voilà les idées, dit-il en se mettant à rire. Je ne vis que par toi. Tout ne me semble bon que parce que tu es là. Oui, je sais cela. Je suis une charmante enfant qu'il faut rassurer, dis-je d'un tel ton qu'il me regarda avec étonnement, comme s'il remarquait quelque chose pour la première fois. Je ne veux pas de la tranquillité. Il y en a assez en toi, bien assez. Je veux vivre avec toi sur un pied d'égalité, avec toi. Mais je ne puis pas terminer. La tristesse, une profonde tristesse, se voyait sur son visage. Il se tut un moment. En quoi ne vis-tu pas sur un pied d'égalité avec moi, me dit-il. En ceci que c'est moi, non toi, qui me débat avec l'officier de police, avec ses moujiks ivres. Ce n'est pas seulement cela, dis-je. Pour l'amour de Dieu, comprends-moi, mon ami, reprit-il. Je sais que l'inquiétude nous fait toujours beaucoup souffrir. J'ai vécu, j'ai appris cela. Je t'aime, et par conséquent, je ne peux pas ne pas désirer te délivrer de l'inquiétude. C'est là qu'est ma vie, dans mon amour pour toi. Donc ne m'empêche pas de vivre. Tu as toujours raison, dis-je sans le regarder. J'étais vexé qu'il eût de nouveau l'esprit calme et serein, alors qu'il y avait en moi du dépit, un sentiment qui ressemblait au repentir. Macha, qu'est-ce que tu as, me dit-il. Il n'est pas question de savoir si c'est moi qui ai raison ou toi, mais de toute autre chose. Qu'as-tu contre moi? Ne parle pas tout de suite, réfléchis. Et dis-moi tout ce que tu penses. Tu es mécontente de moi, et tu as sans doute raison. Mais fais-moi comprendre en quoi je suis fautif. Mais comment pouvais-je lui dire mon âme? Il m'avait comprise d'emblée. J'étais de nouveau une enfant devant lui, je ne pouvais rien faire qu'il ne saisît et ne devinât. Cela me troublait encore plus. Je n'ai rien contre toi, dis-je. Seulement je m'ennuie. Et je voudrais ne pas m'ennuyer. Mais tu dis qu'il doit en être ainsi. Et encore une fois, tu as raison. Je dis cela et levai les yeux sur lui. J'avais atteint mon but, son calme avait disparu. L'effroi et la souffrance étaient sur son visage. Macha, commença-t-il d'une voix sourde et altérée. Ce n'est pas une plaisanterie ce que nous faisons en ce moment. C'est notre sort qui se décide. Je te demande de ne rien me répondre et de m'écouter jusqu'au bout. Pourquoi veux-tu me torturer? Je l'interrompis. Je sais, tu auras raison. Tu ferais mieux de ne rien dire, tu as raison, dis-je froidement, comme si ce n'était pas moi, mais un esprit mauvais qui parlait en moi. Si tu savais ce que tu fais, dit-il d'une voix tremblante. Je fondis en larmes et me sentis mieux. Il était assis à côté de moi et gardait le silence. J'avais pitié de lui. Honte de moi. J'étais contrariée de ce que j'avais fait.
je ne le regardais pas. J'avais l'impression qu'il devait me regarder en ce moment, ou avec sévérité, ou avec perplexité. Je me retournais vers lui. Un regard tendre, doux, qui semblait demander pardon, était fixé sur moi. Je lui pris la main et lui dis « Pardonne-moi, je ne sais pas moi-même ce que j'ai dit. » « Oui, mais moi je sais ce que tu as dit. Et tu as dit la vérité. Quoi ?» demandai-je. « Il faut que nous partions pour Pétersbourg, me dit-il. Maintenant, nous n'avons plus rien à faire ici. »« Comme tu voudras, » dis-je. Il me prit dans ses bras et m'embrassa. « Pardonne-moi, » me dit-il, « je suis coupable envers toi. » Ce soir-là, je jouis longtemps pour lui, tandis qu'il allait et venait dans la pièce en parlant à voix basse. Il avait cette habitude. Je lui demandais souvent ce qu'il disait alors, et toujours après avoir réfléchi un instant, il me répondait exactement ce qu'il avait dit. La plupart du temps des vers. Parfois quelque effroyable niaiserie, mais de telle espèce qu'elle me permettait de deviner son état d'esprit. « Qu'est-ce que tu dis en ce moment ?» lui demandai-je. Il s'arrêta, réfléchit, et répondit en souriant par les deux vers de Lermontov. « Mais lui, l'insensé, demande la tempête. Est-ce dans la tempête qu'on trouve le repos ?» Oui, il est plus qu'un homme. Il sait tout, me dis-je. Comment ne pas l'aimer ? Rien de commun en apparence entre Vronsky, d'Anna Karénine, beau, homme du monde accompli, et Tolstoï. Pourtant, Tolstoï, noceur, a fait la caricature du noceur dans Vronsky. Caricature est d'ailleurs excessif, il a plutôt pris au piège de la vie, de sa réputation, des leçons qu'il peut attraper au vol en voyant vivre ses semblables, en entendant ce qu'on dit de lui, en menant sa destinée à volo. Vronsky est le jeune chiot, fornicateur et ivrogne. Pour la première fois avec Anna, flattée d'abord par la haute position du mari, fascinée aussi par la beauté infernale d'Anna, puis pris par sa passion, Vronsky rompt avec le cynisme, bien que sa vie extérieure suive son cours immuable, devoirs mondains et obligations professionnelles. Les deux amants décident de fuir, mais en Italie, déracinés, sans occupation sauf les querelles, les jalousies, les mesquines préoccupations qui, pour Tolstoï, sont le train de toute vie conjugale, ils brassent du vide et ils décident de rentrer. Vronsky veut retrouver le monde et ses occupations, Anna un foyer et son fils. On connaît la suite. Laissée le plus souvent à la solitude, Anna rebute son amant par des scènes à quoi Vronsky riposte par plus d'indépendance. « Qu'a-t-il cherché en moi ?» pense alors Anna, « les satisfactions de la vanité plutôt que celles de l'amour. Il était fier de m'avoir conquise, tandis que mon amour devient de plus en plus égoïstement passionné, le sien s'éteint peu à peu. » Mais citons l'un des derniers chapitres de Anna Karénine par la voix de Sylvia Monfort. Il ne se prend de décision dans les familles qu'en cas d'entente parfaite ou de complet désaccord. Quand les rapports entre époux flottent entre ces deux extrêmes, aucun d'eux n'ose rien entreprendre. Et l'on en a vu demeurer de ce fait des années entières en des lieux qui pourtant semblaient également fastidieux à l'un et à l'autre. Vronsky et Anna en étaient là. Les arbres des boulevards avaient eu le temps de se couvrir de feuilles et les feuilles de se ternir. Que malgré la chaleur et la poussière, ils restaient encore à Moscou, dont le séjour leur était odieux à tous deux. Une mésintelligence latente les séparait que toute tentative d'explication aggravait singulièrement. Anna trouvait son amant refroidi. Vronsky en voulait à sa maîtresse de rendre encore plus pénible par ses récriminations la situation fausse dans laquelle il s'était mis à cause d'elle. Tout en dissimulant soigneusement ses véritables causes de leur irritation, chacun d'eux en tenait l'autre pour responsable et profitait de la première occasion pour le lui faire sentir. Connaissant à fond Vronsky, ses goûts, ses pensées, ses désirs, ses particularités physiques et morales,
Anna le jugeait fait pour l'amour et rien que pour l'amour. Si donc il s'était refroidi à son égard, c'est qu'il aimait ailleurs. Et dans son aveugle jalousie, elle s'en prenait à toutes les femmes. Tantôt elle redoutait les liaisons grossières accessibles à ce célibataire. Tantôt elle se méfiait des femmes du monde. Tantôt même elle maudissait la jeune fille, pour qui peut-être il l'abandonnerait un beau jour. Cette dernière forme de jalousie était de beaucoup la plus douloureuse, ayant été éveillée par une confidence d'Alexis. Un jour d'abandon, il avait fort blâmé sa mère qui s'était mise en tête de lui faire épouser Mademoiselle Sorokine. Tout en le jalousant, elle accumulait sur la tête de Vronsky les griefs les plus divers. La solitude dans laquelle elle vivait, les hésitations d'Alexis Alexandrovitch, la séparation, sans doute éternelle, avec son fils, leur séjour prolongé à Moscou. S'il l'aimait vraiment, ne pourrait-il pas se passer de société et se cloîtrer avec elle à la campagne? Survenait-il entre eux quelques rares moments de tendresse? Anna n'en éprouvait aucun apaisement, car elle découvrait dans les caresses de cet amant trop calme, trop maître de lui, une nuance nouvelle qui la blessait. Le jour baissait. Vronsky assistait à un dîner de garçons et Anna s'était réfugiée pour l'attendre dans le cabinet de travail où le bruit de la rue l'incommodait moins que pour le reste de l'appartement. Elle marchait de long en large et repassait dans sa mémoire les détails d'une scène pénible qui les avait dressés la veille l'un contre l'autre. En remontant aux causes de ce dissentiment, elle fut surprise de les trouver si futiles. À propos d'Anna, la petite Anglaise qu'elle protégeait, Vronsky avait tourné en ridicule les lycées de filles, prétendant que les sciences physiques seraient d'une médiocre utilité à cet enfant. Croyant voir là une pierre jetée dans son jardin, elle avait riposté du tac au tac. « Je ne m'attendais certes pas à votre sympathie, mais je croyais avoir le droit de compter sur votre délicatesse. » Piqué au vif, Vronsky avait rougi après une ou deux répliques dont elle ne se souvenait plus. C'était permis de dire pour achever de la froisser, « J'avoue ne rien comprendre à votre engouement pour cette gamine. Je n'y vois qu'affectation. » Le reproche était dur et injuste. Il s'attaquait au laborieux effort d'Anna pour se créer une occupation qui l'aida à supporter son isolement. Elle éclata. « Il est bien malheureux que les sentiments grossiers et matériels vous soient seuls accessibles. » avait-elle reparti en quittant la pièce. Le soir, dans la chambre à coucher, il n'avait fait aucune allusion à cette scène, tout en sentant fort bien qu'il ne l'oubliait pas. Une journée entière passée dans la solitude avait fait réfléchir Anna, avide de se réconcilier avec son amant. Elle était prête à pardonner, voire à s'accuser elle-même. « C'est ma faute. Mon absurde jalousie me rend par trop irritable. Il faut partir pour la campagne. J'y retrouverai mon calme. » Je sais bien qu'en m'accusant d'affecter de la tendresse pour une étrangère, il me reproche de ne pas aimer ma fille. Mais que sait-il de l'amour qu'un enfant peut inspirer? Se doute-t-il de ce que je lui ai sacrifié en renonçant à Serge? Pourquoi ce désir constant de me blesser? N'est-ce pas une preuve qu'il en aime une autre? En cherchant à s'apaiser, elle était revenue au lugubre point de départ. Et quoi, se dit-elle affolée? Ne puis-je vraiment pas me reconnaître coupable? Voyons, il est droit et honnête. Il m'aime. Je l'aime également. Et mon divorce n'est plus qu'une question de jours. Que me faut-il de plus? Le sujet d'Anna Karénine, c'est, nous l'avons vu, le malheur de deux êtres qui ne peuvent composer leur vie. Mais c'est aussi l'échec de l'amour-passion, hors du mariage comme dans le mariage. Ce problème posé par Anna Karénine, est concentré dans un des premiers chapitres du livre, le 11e, où dialoguent Lévin et Stepan Arkadievitch. Il y a deux amours, disent-ils en substance, le platonique et le charnel. Si ces deux amours sont purs, je veux dire sans mélange, tout est clair. Ou bien on jouit bassement, ou bien on s'élève. Et le moi reste intact. Qu'on cherche au contraire à vivre idéalement en pratiquant l'amour charnel, comme le font les couples, on entre alors dans le drame. La pureté, le devoir, le perfectionnement
ne peuvent pas sortir du plaisir, chose impure, et le devoir conjugal est aussi un plaisir. Voilà la conviction à laquelle va arriver Tolstoï et dont il fera part en 1888 à l'un de ses fils, Ilia, qui voulait se marier. « Le but de notre vie ne doit pas être la joie dans le mariage, lui écrit Tolstoï, mais le désir d'apporter plus d'amour et de vérité dans le monde. On se marie pour s'aider l'un l'autre dans cette tâche. La vie la plus égoïste et la plus répugnante est celle de deux êtres qui s'unissent pour jouir de l'existence. La vocation la plus haute est celle de l'homme qui a mis sa vie au service de Dieu en accomplissant le bien et qui s'unit à une femme pour mieux y réussir. Telle est la conception monacale de Tolstoï qui place l'amour dans l'étendue et la profondeur du monde, comme le Platon du banquet, comme l'ont prêché les religions. Mais Tolstoï religieux, loin de baigner dans la sérénité, veut surtout se délivrer de toutes ses tentations. Il est plus l'homme qui nie que l'homme qui libère, ou plutôt il se libère en secouant ses chaînes. De là la sonate à Kreutzer, écrite en 1889, où à pleine voix, en revivant tous les aspects tragiques de sa vie conjugale, Tolstoï reprend le même thème, que chacun s'efforce de ne pas se marier, et s'il est marié, de vivre avec sa femme comme un frère avec sa sœur. Lecteur d'un fragment de la sonate à Kreutzer, Alain Cuny. Nos rapports devinrent de plus en plus hostiles. Pour finir, nous en vîmes à ceci. Ce n'était plus nos dissentiments qui créaient notre animosité, mais notre animosité qui créait nos dissentiments. Quoi qu'elle dit, j'y étais d'avance opposé, et il en alla de même d'elle. La quatrième année, nous décidâmes de part et d'autre, de nous-mêmes en quelque sorte, que nous ne pouvions ni nous comprendre ni nous entendre. Nous cessâmes même d'essayer de nous expliquer à fond. Dans les situations les plus simples, surtout lorsque les enfants étaient en jeu, nous demeurions chacun inébranlablement sur nos positions. Pour autant que je m'en souvienne, les opinions que je défendais étaient loin de m'être chères, au point que je ne pusse les abandonner, mais elles étaient d'un avis contraire, et céder signifiait lui céder. Or, je ne pouvais pas. Elle non plus. Elle croyait sans doute chaque fois avoir entièrement raison, et moi, à mes propres yeux, j'étais toujours un saint à côté d'elle. En tête à tête, nous étions presque voués au silence ou à des conversations que, j'en suis convaincu, des animaux peuvent avoir entre eux. Quelle heure est-il? Il est temps d'aller se coucher. Qu'avons-nous à dîner aujourd'hui? Où allons-nous aller? Qu'y a-t-il dans le journal? Il faut aller chercher le médecin, Macha a mal à la gorge. Il suffisait de s'écarter d'un cheveu, de ce cercle de propos rétrécis jusqu'à l'invraisemblance pour que notre irritation éclatât. Nous eûmes des querelles et des expressions de haine pour le café, la nappe, la Victoria, pour une attaque au vin, sujet qui, ni pour l'un ni pour l'autre, ne pouvait avoir la moindre importance. Au fond de moi, tout au moins, une haine affreuse bouillonnait bien souvent. Je regardais parfois comment elle versait le thé, comment elle balançait son pied ou portait sa cuillère à sa bouche, le bruit qu'elle faisait en aspirant le liquide, et je la haïssais pour cela comme pour la plus mauvaise action. Je n'avais pas remarqué que les périodes d'animosité naissaient en moi régulièrement, parallèlement aux périodes de ce que nous appelions amour. Une période d'amour, une période de haine. Une période vigoureuse d'amour, une longue période de haine. Des manifestations plus faibles d'amour, une courte période de haine. Nous ne comprenions pas à ce moment-là que cet amour et cette haine n'étaient qu'un même sentiment animal seulement sous différents aspects. Nous étions deux forçats, nous haïssant mutuellement, attachés à la même chaîne, nous empoisonnant mutuellement l'existence tout en nous efforçant de ne pas le remarquer. J'ignorais alors que 99% des ménages vivent dans l'enfer où je vivais et qu'il ne pouvait en être autrement. J'ignorais encore cela, et pour les autres et pour moi-même. Nous nous installâmes à la ville. La vie est plus supportable pour les gens malheureux. Un homme peut vivre 100 ans à la ville sans s'apercevoir qu'il est depuis longtemps mort et tombé en pourriture. Nous nous étions accordé une sorte de trêve, et nous n'avions aucune raison de la rompre. Tout à coup, la conversation tomba sur un chien.
Je disais qu'il avait reçu une médaille à une exposition. Elle soutenait que ce n'était pas une médaille, mais une mention spéciale. Une discussion s'amorce. Nous passons d'un sujet à un autre. Nous nous faisons des reproches. Mais oui, je connais cela, c'est toujours la même chose. Tu as dit... Non, je n'ai pas dit cela. C'est donc que je mens? Vous sentez sur le point d'éclater une de ces scènes effroyables lors desquelles vous avez envie ou de vous tuer ou de la tuer. Vous savez que cette scène est imminente. Vous la redoutez comme le feu. Et vous voudriez vous dominer, mais la colère envahit tout votre être. Elle est dans un état semblable, sinon pire. Elle dénature à dessein le sens de chacune de mes paroles. Chacune des siennes est pleine de venin. Elle m'envoie ses pointes aux endroits qu'elle sait les plus douloureux. Toujours plus, toujours plus loin. Je lui crie « Tais-toi !» ou quelque chose d'analogue. Elle bondit hors de la pièce, court chez les enfants. J'essaie de la retenir pour achever mon explication et la saisis par le bras. Elle fait semblant d'avoir mal écrit « Mes enfants, votre père me bat !» Je crie « Ne mens pas !»« Ce n'est pas la première fois » hurle-t-elle ou quelque chose d'approchant. Les enfants se précipitent vers elle. Elle les rassure. Je lui dis « Ne joue pas la comédie. » Elle répond « Pour toi, tout est comédie. Tu tuerais un homme et tu prétendrais qu'il fait semblant d'être mort. Maintenant, je t'ai compris. C'est cela que tu veux. Oh, si tu pouvais crever !» ai-je crié. Je me souviens que ces horribles paroles me terrifièrent. Jamais je ne me serais cru capable de prononcer des paroles aussi grossières, aussi affreuses. Et je suis étonné qu'elles aient pu m'échapper. Je crie cette abominable phrase. M'enfuis dans mon cabinet, prends un siège et me mets à fumer. J'entends qu'elle passe dans l'antichambre et se prépare à sortir. Je lui demande où elle va, pas de réponse. « Bon, qu'elle aille au diable !» me dis-je en moi-même. Je retourne dans mon cabinet, m'étends et me remets à fumer. Des milliers de plans destinés à me venger d'elle, à me délivrer de sa personne, à arranger tout cela et à faire comme si de rien n'était me viennent à l'esprit. Je passe tout en revue et je fume, je fume, je fume. Je songe à fuir, à me cacher, à partir en Amérique. J'en viens à rêver à la façon de me débarrasser d'elle. Ce serait merveilleux. Je me lierais avec une autre femme, une belle femme, tout à fait différente. Pour que je sois délivré d'elle, il faut qu'elle meure ou que je divorce. Et je réfléchis aux moyens d'y parvenir. Je vois que je m'égare, que je ne pense pas à ce qu'il faut, et je fume. À la maison, la vie continue. La gouvernante vient demander « Où est madame ? Quand reviendra-t-elle ? » Le valet de chambre demande s'il doit servir le thé. Je vais dans la salle à manger. Les enfants, surtout l'aîné, Lise, qui comprend déjà, me regardent d'un air interrogateur et malveillant. Nous prenons le thé en silence. Elle n'est toujours pas là. Toute la soirée se passe sans qu'elle revienne, et deux sentiments se succèdent dans mon âme. La rancune, parce qu'elle nous tourmente, les enfants et moi, par son absence, alors qu'elle finira bien par revenir, et la crainte qu'elle ne revienne plus et qu'elle mette fin à ses jours. Je voudrais aller la chercher, mais où ? Chez sa sœur. Ce serait stupide d'aller là-bas au renseignement. Tant pis pour elle. Si elle veut nous tourmenter, elle peut bien souffrir elle aussi. Elle n'attend que cela probablement, mais la prochaine fois, ce sera encore pis. Et si elle n'est pas chez sa sœur? Et si elle attente, ou a déjà attenté à ses jours? 11 heures, minuit. Je ne vais pas dans notre chambre, c'est idiot de rester là, étendu, à l'attendre. Je ne veux pas me coucher ainsi. Je veux commencer quelque chose, écrire des lettres, lire. Je ne peux rien faire. Je reste assis tout seul dans mon cabinet à me tourmenter. Je suis exaspéré, je tends l'oreille. 3, 4 heures. Elle n'est toujours pas là. Au matin, je m'endors. Lorsque je me réveille, elle est encore absente. Je recommence à marcher de long en large, à fumer. Au déjeuner, je bois de la vodka et du vin, et j'atteins le but vers lequel je tendais inconsciemment. Je ne vois plus la stupidité et la vulgarité de ma situation. Vers 3 heures, elle revient. Je vais à sa rencontre, mais elle ne dit mot. Pensant qu'elle s'est calmée, je commence à lui expliquer qu'elle m'avait excédé par ses reproches.
Avec le même visage sévère et harassé, elle me répond qu'elle n'est pas venue pour s'expliquer, mais pour chercher les enfants. Que nous ne pouvons plus vivre ensemble. Je commence à dire que ce n'est pas moi le coupable, que c'est elle qui m'a mis hors de moi. Elle pose sur moi un regard grave et solennel, puis elle dit « N'ajoute rien, tu t'en repentirais. » Je lui dis que je ne peux supporter les comédies. Alors elle crie quelque chose que je ne comprends pas et se sauve dans sa chambre. J'entends le bruit de la clé, elle s'est enfermée. Je frappe, pas de réponse. Je m'éloigne exaspéré. Une demi-heure plus tard, Lise accourt en larmes. « Qu'y a-t-il ? Il est arrivé quelque chose ?» On n'entend plus rien chez maman. Nous y allons. Je tire la porte de toutes mes forces. Le verrou est mal mis et les deux battants cèdent. Je m'approche du lit. Elle y est étendue sans connaissance, en jupon et en bottine montante, dans une position incommode. Sur un guéridon, une fiole d'opium vide. Nous la faisons revenir à elle. Encore des larmes. Et enfin la réconciliation. Mais ce n'en est pas vraiment une. Dans l'âme de chacun demeure la même animosité doublée de l'exaspération créée par cette querelle que chacun met tout entière au compte de l'autre. Mais il faut bien en finir, et la vie reprend son cours. Après l'amour, le thème de la mort que Jean Guénaud de l'Académie française nous présente, les textes de la mort d'Ivan Illich seront lus par Ledoux. Ce qui frappe, ce qui étonne, ce qui émerveille dans Tolstoï, c'est l'abondance de la vie. Et c'est peut-être à cause de cela qu'il a si admirablement parlé de la mort. Ce mal infatigable, ce chasseur qui affrontait les eaux, ce prodigieux cavalier, cet homme aux yeux de loup, qui fondait sur les choses et les êtres comme sur une proie, a eu toute sa vie de la mort, dit-il lui-même, une terreur enfantine. À la guerre, sans doute, il s'est habitué à elle. C'était la mort des autres. Et il finissait par n'y plus penser. Mais dans la tranquillité de la paix, son inquiétude, alors, a été continue. Il disait qu'il avait toujours été de santé chancelante et de constitution robuste. Qu'étaient ces malaises dont il souffrait, ces fièvres, et tous les soirs, vers les 6 heures, cette sorte d'angoisse qu'il prenait. Il avait peur. Et sa peur a été à la mesure même de l'ivresse de la vie dans laquelle il a vécu presque toujours. La famille, au reste, était frappée d'une maladie, la tuberculose. 2 de ses frères en sont morts, Mitenka. Il les a vus mourir. Nikolenka, il a vu mourir lui aussi à hier, en 1860. Et c'est alors qu'il a entendu son frère, Nikolenka, criait, la mort étant soudain devant lui, « Qu'est-ce que cela ?» Et cette parole, il n'a pas cessé de la porter en lui toute sa vie. « Qu'est-ce que cela ?» Il n'est guère d'œuvre dans la littérature universelle où l'on en trouve d'aussi nombreuses descriptions, et elles sont si diverses qu'il est clair pour qui les a lues qu'on meurt comme on peut. Il y avait les morts qu'il avait réellement vus, et les morts qu'il avait imaginés. Il y avait les morts des soldats au Caucase, en Crimée, les aventures anonymes et inattendues de la chair à canon. Il y avait dès son premier livre, Enfance, la mort de la mère du héros, et il avait, en l'écrivant, pensé à la mort de sa propre mère. Il y avait la mort de son frère, Mitenka. Il y avait eu cette mort la plus affreuse de toutes qu'il avait vue à Paris, cette exécution capitale d'un criminel à la poitrine et au gros cou, un matin, place de la Roquette. Il y avait ces 3 morts qu'il avait racontées en 1859. Celle désespérée et révoltée d'une riche jeune femme, celle tout humble et résignée d'un pauvre charretier, et celle inconsciente et sereine d'un arbre dont on fera une croix. Y avait eu la mort de son autre frère, Nikolenka, celui qui avait demandé « qu'est-ce que cela ?» Y avait eu en 1861, la mort de Kolstomir, le cheval hongre-pie,
qui avait si bien couru dans sa jeunesse et dont la vieillesse avait été si pitoyable, et celle aussi de son maître ridicule aux grandes bottes cirées, le prince Serpukhovski. Y avait eu dans les grands romans la mort à la fois fastueuse et sordide du comte Bezoukhov, et celle comme étonnée de la petite princesse, et celle si attentée du prince André, et celle de Karatayev, et celle d'Anna Karénine. Ah, certes, il avait senti plus d'une fois que la mort était le sacrement le plus solennel du monde. En août 1869, il partit en voyage avec un domestique dans l'idée d'aller acheter dans une ville de l'Est, près de Penza, une propriété. Un soir, ils s'arrêtèrent à l'auberge dans un village du nom de Arzamas. Il eut lui-même ce soir-là l'idée qu'il était fou. Quelque chose d'extraordinaire lui arriva. Voici ce qu'il en écrivit à Sonia. Il était 2 heures du matin. J'étais affreusement fatigué, je n'avais mal nulle part. Soudain, je fus pris d'une angoisse, d'une peur, d'une terreur que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Je te raconterai plus tard la chose en détail. Mais jamais je n'avais éprouvé de sentiments aussi pénibles, et au nom du ciel, je ne souhaite à personne d'en ressentir de pareil. Je me levai en sursaut et donnai l'ordre d'atteler. Pendant qu'on exécutait mes ordres, je m'assoupis et je me réveillai calmé. Je peux rester seul si j'ai des occupations qui ne me laissent aucun repos, mais si je n'ai rien à faire, je sens que décidément je ne peux pas rester seul. Il ne devait jamais oublier cette nuit d'Arzamas. 15 ans plus tard, il en fit un conte qu'il a intitulé « Les notes d'un fou ». Et c'est un récit effrayant. Et de toute évidence, tout proche de la réalité qu'il n'avait pas osé dire tout entière à Sonia. La vie, se disait-il, est quelque stupide et méchante plaisanterie qui m'est jouée par quelqu'un. Aujourd'hui ou demain viendront les maladies, la mort. Elles sont déjà venues pour des personnes aimées, pour moi. Et il ne restera rien que la pourriture et les vers. Mes œuvres, quelles qu'elles soient, seront oubliées tôt ou tard, et moi je ne serai plus. Alors de quoi s'inquiéter? Comment l'homme peut-il ne pas voir cela et vivre? Voilà qui est étonnant. On peut vivre. Seulement pendant qu'on est ivre de la vie. Mais aussitôt l'ivresse dissipée, on ne peut se dispenser de voir que tout cela n'est que supercherie et supercherie stupide. Mais voici qu'entre 1884 et 1886, il fait de la mort le seul sujet d'un livre et la tient plus longtemps que jamais sous son regard, comme s'il voulait savoir et dire définitivement ce qu'elle est. Il écrit La mort d'Ivan Illich. C'est sûrement un des plus grands récits qui soit. Je doute que personne puisse le lire sans en être bouleversé, sans se sentir devenir à certains moments le héros de l'histoire et mourir avec lui. Et la raison en est sans doute que Tolstoï ne l'a écrit que pour s'imposer à lui-même précisément cette épreuve et ainsi se délivrer enfin de la mort. Il l'a sûrement écrit dans une effrayante tension. Les premières pages nous apprennent la nouvelle. Ivan Illich est mort. Et l'agitation qu'elle détermine dans un petit groupe de vivants, ses collègues et ses amis, c'est là ce qui fait l'objet d'abord du conte. Ils font visite aux morts, un peu agacés par le dérangement et vaguement inquiets pour eux-mêmes. Ces vivants apparaissent petitement sordides, vaniteux, menteurs, légers, corrects, cérémonieux, comme il faut. Des vivants, enfin. Comme l'a été Ivan Illich lui-même avant son histoire, avant de lentement mourir. L'histoire se développe tout uniment, tout simplement. Elle commence. L'histoire d'Ivan Illich était des plus simples, des plus ordinaires et des plus atroces. Nous sentons tout de suite qu'elle nous concerne tous. Ivan Illich était un homme quelconque entre les hommes, un homme moyen, correct, comme il faut, qui, dans les vices comme dans les vertus, se maintient toujours dans de certaines limites. Son rêve, toujours, avait été de vivre aisément, agréablement, correctement. Ces mots « correct » comme il faut reviennent à tous les paragraphes du récit. La vie d'Ivan Illich a été conforme, et nous pouvons tous nous y reconnaître. La péripétie du récit se fait encore sur l'événement le plus ordinaire.
Ivan Ilitch a obtenu de l'avancement dans son métier et à la faveur de cette promotion, il a pu louer un bel appartement. Il trouva un appartement charmant et tel exactement que les époux l'avaient rêvé. De vastes et hautes pièces de réception dans le style ancien, un cabinet de travail confortable et solennel, des chambres pour Praskovia Fiodorovna et sa fille, une salle d'études pour le collégien. Tout semblait avoir été établi exprès pour eux. Ivan Ilitch se chargea lui-même de l'installation. Il choisissait les papiers, achetait des meubles, tout particulièrement des meubles anciens qui avaient un aspect comme il faut. Et peu à peu, chaque objet trouva sa place. Et l'ensemble se rapprocha de l'idéal qu'Ivan Ilitch s'était posé. Quand il fut à moitié installé, il constata que les résultats avaient dépassé ses prévisions. Il se rendit compte du caractère comme il faut, élégant, et non banal en même temps, qu'aurait l'ensemble quand tout serait achevé. En s'endormant, il se représentait l'aspect de la salle de réception. En parcourant des yeux le salon qui n'était pas encore terminé, il voyait déjà la cheminée, l'écran, l'étagère, les petites chaises dispersées de ci, de là, les plateaux, les assiettes au mur et les bronzes. Il se réjouissait à la pensée de la surprise de Pacha et de Lisa, qui, elle aussi, avait du goût pour ces choses. Elle ne s'attendait à rien de tel, certainement. Il avait réussi à découvrir et à acheter à bon compte des choses anciennes qui donnaient à l'appartement un cachet de noblesse. Dans ses lettres, il décrivait exprès son installation moins belle qu'elle l'était afin de les surprendre. Tout cela l'occupait tellement que même son nouveau service, qu'il aimait cependant, l'intéressait moins qu'il ne s'y attendait. Pendant les séances, il avait des instants de distraction. Il songeait à ses rideaux. Serait-il droit ou drapé? Son impatience était si grande qu'il déplaçait lui-même les meubles et pendait les rideaux. Un jour, étant grimpé sur une échelle pour montrer au tapissier qu'il ne comprenait pas comment il voulait que les rideaux fussent placés, il fit un faux pas et tomba. Mais fort et adroit comme il était, il se retint et se cogna seulement le côté à l'espagnolette de la fenêtre. Il eut un peu mal, mais cette douleur passa bientôt. Il a un peu mal. La mort est entrée et va faire son travail. Il avait vécu comme tout le monde correctement, mais il n'est pas de mort correcte. Et chacun a la sienne, bien à soi. Tolstoï suit jour à jour les progrès invincibles de la mort dans le corps et dans l'âme d'Ivan Ilitch. Voici le jour de la première consultation. Tout se passa ainsi qu'il s'y attendait, et ainsi que cela se passe toujours. Longue attente, mine solennelle, doctorale, et qu'il connaissait bien. Car il agissait de même au tribunal. Auscultations, questions habituelles, exigeant certaines réponses déterminées à l'avance et évidemment inutiles. Un air important qui signifiait « Vous autres, vous n'avez qu'à nous obéir, et nous arrangerons tout. Nous savons bien, sans le moindre doute, comment on arrange les choses. » Toujours de la même façon, quel que soit le patient. Tout se passait exactement comme au tribunal. De même qu'au tribunal, il jouait la comédie devant les accusés, ici, le célèbre docteur la jouait devant lui. Le médecin disait « Ceci et cela indiquent que vous avez ceci et cela. Mais au cas où l'analyse ne le confirmerait pas, il faudrait supposer que vous avez ceci et cela. Et si l'on suppose, alors, etc. » Ivan Ilitch n'était préoccupé que d'une seule question. Était-ce dangereux ou non? Mais le médecin voulait ignorer cette question déplacée. Du point de vue du médecin, ce n'était qu'une question inutile et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner. Il ne s'agissait que de peser des probabilités. Rein flottant, cathare chronique,
appendicite. La vie d'Ivan Illich n'était pas en cause. Mais il s'agissait d'un débat entre le rein flottant et l'appendicite. Et sous les yeux même d'Ivan Illich, le médecin trancha brillamment le débat en faveur de l'appendicite, tout en indiquant d'ailleurs que l'analyse de l'urine pouvait fournir de nouvelles données et qu'en ce cas, le procès serait revisé. C'était tout à fait, mot pour mot, la même opération que celle qu'Ivan Illich avait exécutée un millier de fois avec un tel brio sur les accusés qui se présentaient devant lui. Le résumé du médecin fut non moins brillant, et il jeta sur l'accusé par-dessus sa lunette un regard triomphant, presque joyeux. Ivan Illich conclut du résumé du docteur que cela allait mal. Pour le docteur, pour tout le monde même peut-être, cela n'avait pas d'importance. Mais pour lui, personnellement, cela allait fort mal. Et cette conclusion frappa douloureusement Ivan Illich et éveilla en lui un profond sentiment de pitié pour lui-même et de haine pour le docteur, si indifférent à une chose de cette importance. Mais il ne dit rien. Il se leva, déposa l'argent sur la table et prononça en soupirant « Nous autres, malades, nous vous posons souvent probablement des questions déplacées. Cependant, cette maladie est-elle dangereuse ou non ?» Le docteur lui jeta un regard sévère à travers ses lunettes, comme s'il disait « Accusé, si vous ne demeurez pas dans les limites des questions qu'on vous pose, je serai obligé de vous faire sortir de la salle des séances. Je vous ai déjà dit ce que je considérais nécessaire et convenable de vous dire, » fit le médecin. « L'analyse complétera mon examen. » Le docteur salua. Ivan Illich sortit lentement, remonta tristement dans son traîneau et se fit conduire à la maison. Durant tout le trajet, il ne cessa de réfléchir sur les paroles du médecin. S'efforçant de traduire tous ces termes scientifiques, compliqués et obscurs, en un langage simple, afin d'y trouver la réponse à la question « Mon cas est-il dangereux, très dangereux, ou bien n'est-ce encore rien ?» Et il lui semblait que les paroles du docteur signifiaient que son cas était très mauvais. Les rues parurent tristes à Ivan Illich. Les fiacres étaient tristes. Les maisons, les passants, les boutiques étaient tristes. Et la douleur qu'il ressentait, cette douleur sourde, obstinée, qui ne le lâchait pas un instant, semblait acquérir, grâce aux phrases ambiguës du docteur, une signification nouvelle, plus sérieuse. Ivan Illich observait maintenant cette douleur avec un sentiment nouveau, pénible. De retour à la maison, il raconta tout à sa femme. Celle-ci l'écouta, mais au milieu du récit, sa fille entra, son chapeau sur la tête. Elle devait sortir avec sa mère. Elle s'assit et s'efforça d'écouter cette histoire ennuyeuse. Mais elle n'en eut pas la patience. Sa mère non plus. « Eh bien, je suis très content, » dit celle-ci à son mari. « Il faut maintenant que tu prennes régulièrement ton médicament. » « Donne-moi l'ordonnance. J'enverrai Gerasim à la pharmacie. » Et elle sortit pour s'habiller. Il avait parlé sans s'arrêter tant qu'elle était dans la chambre, et il poussa un profond soupir lorsqu'elle sortit. « Eh bien, » dit-il, « il se peut que ce ne soit encore rien, en effet. » Vient le jour où Illich doit accepter de reconnaître que la mort est décidément là. Il lutte encore. Le récit devient d'une intensité insoutenable. Ivan Illich sort enfin de la conformité et ne ressemble plus qu'à lui-même. Il devient vraiment Ivan Illich. Ivan Illich voyait qu'il mourait et il était désespéré. Dans le fond de son âme, il savait bien qu'il mourrait. Mais non seulement il ne parvenait pas à s'habituer à cette pensée,
Il ne la comprenait même pas. Il était incapable de la comprendre. Cet exemple de syllogisme qu'il avait appris dans le manuel de logique de Kiesewetter. Caius est un homme, les hommes sont mortels, donc Caius est mortel. Ce raisonnement lui paraissait exact s'il s'agissait de Caius, mais non pas de sa propre personne. C'était Caius, un homme en général, et il devait mourir. Mais lui n'est pas Caius. Il n'est pas un homme en général, il est à part, tout à fait à part des autres êtres. Il était Vania avec sa maman et son papa, avec Mitya et Volodia, avec sa bonne, avec le cocher, puis avec Katenka, avec toutes les joies, toutes les peines, tous les enthousiasmes de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse. Caius, connaissait-il l'odeur de cette balle en cuir bariolé qu'émettait en Vania? Caius embrassait-il la main de sa mère comme Vania? Est-ce pour Caius que froufroutait ainsi la jupe en soie de la mère de Vania? Est-ce Caius qui avait protesté à l'école au sujet des petits pâtés? Avait-il aimé comme Vania? Pouvait-il présider une séance comme lui? Caius est en effet mortel, et il est juste qu'il meure. Mais moi, Vania Ivan Ilitch, avec toutes mes pensées, avec tous mes sentiments, c'est tout autre chose. Il est impossible que je doive mourir. Ce serait trop affreux. Ainsi sentait-il. Si je devais mourir comme Caius, je le saurais bien. Ma voix intérieure me le dirait. Mais elle ne me dit jamais rien de tel. Moi et tous mes amis, nous comprenions bien que nous étions très différents de Caius. Et voilà que maintenant, c'est impossible. Et c'est cependant ainsi. Comment? Comment comprendre cela? Il est vraiment devenu lui-même. Tout le monde autour de lui continue de mentir par correction, mais lui a désormais horreur de tous les mensonges. Et la vérité enfin lui apparaît. C'est qu'il n'a pas vécu comme il aurait dû vivre, et la mort même lui révèle une autre vie. Pendant ces 3 jours, au cours desquels le temps n'existait plus pour lui, il se débattait dans ce sac noir où le faisait entrer une force invisible et invincible. Il se débattait comme se débat entre les mains du bourreau un condamné à mort, sachant bien qu'il ne peut s'échapper. Et à mesure que les minutes passaient, il sentait que malgré tous ses efforts, il s'approchait de plus en plus de ce qui le comblait d'épouvante. Il sentait que ses tourments provenaient de ce qu'on le poussait dans ce trou noir, mais plus encore de ce qu'il ne parvenait pas à y entrer. Et ce qui l'empêchait d'entrer, c'était le sentiment que sa vie avait été bonne. C'était cette justification de son existence qui le retenait et l'empêchait d'aller de l'avant, et le tourmentait plus que tout le reste. Soudain, une force inconnue le frappa violemment à la poitrine, au côté, et lui coupa la respiration. Il culbuta dans le trou, et là-bas, tout au fond, quelque chose brilla. Il ressentit ce qu'il avait naguère éprouvé en wagon lorsqu'on s'imagine qu'on avance tandis qu'on recule et que brusquement on reconnaît la vraie direction. Oui, ce n'était pas cela du tout, dit-il. Mais ce n'est rien. Cela peut encore se faire. Quoi cela? Se demanda-t-il. Et soudain, il s'apaisa. C'était la fin du 3e jour, 2 heures avant sa mort.
À ce moment, précisément, le petit collégien se glissa doucement dans la chambre et s'approcha du lit. Le moribond ne cessait de pousser des cris désespérés en agitant les bras. Sa main rencontra la tête de l'enfant. Le collégien la saisit, y appuya ses lèvres et se mit à pleurer. Juste à cet instant, Ivan Ilitch tomba, aperçut la lumière et découvrit que sa vie n'avait pas été ce qu'elle aurait dû être, mais que cela pouvait être encore réparé. Il se demanda « Qu'est-ce que cela ?» et s'apaisa, tendant l'oreille. Alors, il sentit que quelqu'un lui baisait la main. Il ouvrit les yeux et regarda son fils. Il en eut pitié. Sa femme s'approcha de lui, il la regarda aussi. Elle le dévisageait avec désespoir, la bouche ouverte, ses joues, son nez mouillés de larmes. « Oui, je les tourmente, pensa-t-il. Ils ont pitié de moi. Mais il vaut mieux pour eux que je meure. » Il voulut le leur dire, mais n'en eut pas la force. D'ailleurs, pourquoi parler ? Songea-t-il. Il faut le faire. Il indiqua du regard son fils à sa femme et dit « Emmène-le. J'ai pitié de toi aussi. » Il voulut encore ajouter « Pardonne, mais dis « Laisse passer. » Et incapable de surprendre, il fit un signe de la main, sachant qu'il serait compris par celui qui devait le comprendre. Et brusquement, il sentit clairement que ce qui le tourmentait et l'oppressait se dissipait, s'écoulait hors de lui de tous les côtés à la fois. Il a pitié d'eux. Il ne faut plus les faire souffrir. Il faut les délivrer et se délivrer soi-même de leurs tourments. Comme c'est bien et comme c'est simple, songea-t-il. Mais elle, qu'en faire, se demanda-t-il. Eh bien, où es-tu? Où es-tu, ma douleur? Il tendit son attention. Ah, la voilà. Eh bien, qu'elle reste là. Et la mort, où est-elle? Il chercha sa terreur accoutumée et ne la trouva plus. Où est-elle? Quelle mort! Il n'avait plus peur, parce que la mort aussi n'était plus. Au lieu de la mort, il voyait la lumière. Voilà donc ce que c'est, prononça-t-il, soudain, à voix haute. Quelle joie! Tout cela pour lui se produisit en un instant, et la signification de cet instant ne changea plus. Mais pour ceux qui l'entouraient, son agonie dura encore 2 heures. Des râles s'échappaient de sa poitrine, son corps décharné tressaillait, puis peu à peu, les sursauts et les râles s'espacèrent. « C'est fini, » dit quelqu'un. Il entendit ces paroles, les répétant son âme. « Fini la mort, » se dit-il. « Elle n'est plus. » Il aspira l'air profondément, n'acheva pas son aspiration, se raidit et mourut.
En engageant cette émission, nous avons cité le jugement de Romain Rolland, du jeune Romain Rolland, du Romain Rolland du cloître de la rue d'Ulm vers 1885-1887, au moment où l'œuvre de Tolstoï a été traduite d'un coup en France, tous les romans ont été traduits en 2 ans, où l'œuvre de Tolstoï commençait d'être connue. Et évidemment, cette école normale de Romain Rolland, de Suarez, de Dumas, représentait l'élément moteur de la vie intellectuelle en France, et tous ces jeunes gens ont été fascinés par l'aspect messianique de Tolstoï. Romain Rolland nous parlait de cette grande voix. Nulle voix, disait-il, n'a fait entendre de pareils accents en Europe. Eh bien, pour conclure cette émission, j'aimerais que Maurice Genevoix, qui était à l'école normale en 1912-1913, j'aimerais que Maurice Genevoix nous dise ce que pouvait représenter Tolstoï dans l'opinion éclairée française, et en particulier à l'école normale, au moment de sa mort. En 1912, il y avait évidemment dans cette époque beaucoup de Tolstoïens, beaucoup de disciples de Tolstoï, mais nous n'avons pas voulu aborder ce problème. C'est un problème extrêmement délicat, il aurait fallu faire de l'histoire beaucoup plus que nous n'en avons fait. J'aimerais surtout que Maurice Genevoix nous dise son jugement de valeur sur cette œuvre de Tolstoï et ce qu'elle a apporté à sa carrière de romancier. Écoutez, je ne demande pas mieux, Cipayo, mais je vous demande de me permettre en tout cas une remarque. C'est qu'il ne saurait être question en ce qui me concerne, et surtout après les témoignages que vous venez de recueillir, de rien d'autre que de personnel et de subjectif, en définitive que d'un témoignage très spontané, d'une évocation de souvenirs, si vous voulez, qui sont peut-être, et je le souhaite, communs à d'autres hommes, des hommes de ma génération, mais qui, je le répète, ne prétendent en rien à une signification générale. Je pense que certains de mes camarades devaient être d'abord plus sensibles à tels aspects, je ne dirais pas messianiques, je dirais plus modestement sentimentaux et sentimentalement contagieux de la morale tolstoïenne. Et donc que ces garçons devaient chercher dans le monde tolstoïen, à défaut d'un corps de doctrine cohérent, explicité, mais qu'ils y devaient chercher une inspiration, une tendance, une façon d'aborder les autres et de participer avec eux et parmi eux à l'aventure humaine, à une vie sociale donnée. D'ailleurs, dans ce milieu de la rue d'Ulm, auquel vous faisiez allusion, il n'était pas malaisé de distinguer, grosso modo bien entendu, deux familles de tempéraments. Ceux que j'appellerais les intellectuels d'intention. Je n'y mets pas d'ironie, mais enfin j'ajoute quand même en précisant d'intention au moins autant que de vocation. Les doctrinaires, en somme. Ou les politiques, selon des nuances, elles aussi perceptibles, et ceux que j'appellerais les avides, les impatients, moins soucieux en définitive de débats et de conflits idéologiques que de vie pleine, ardente, nous avions 20, 21, 22 ans, ardente en toutes ses formes, en somme plus sensualiste que spéculative, plus inclinée vers la beauté des choses que vers l'exercice des facultés ratiocinantes, enfin ce fameux esprit critique normalien, et en définitive, pour simplifier encore davantage, vers l'esthétique que vers le politique. Eh bien, je le dis en toute modestie, et mon Dieu, pas fausse, j'appartenais à la seconde famille, et je pense que cela doit limiter encore la portée, limiter, je venais de vous le dire loyalement, de mon témoignage. À vrai dire, si je pense à moi alors, et ça m'a mis un peu plus à l'aise puisque j'ai déclaré avec tant de netteté, je devrais remonter un peu plus haut dans le temps, de 2, 3 ou même 4 ans, à l'âge où j'ai connu pour ma part cette boulimie de lecture que calment plus tard les obligations de l'âge, les besognes, enfin vous le savez bien. Vice impuni en effet à cette seule période de la vie et dont les cures de désintoxication volontaire ou imposée n'efface jamais par la suite, et Dieu merci, l'inoubliable souvenir. Qui est-ce qui dirigeait nos lectures? Je parle du lycée, je parle du temps où j'entrais en seconde, par exemple. Eh bien, à vrai dire, personne. Ces bibliothèques de classe étaient lamentablement pauvres. Nous y étions réduits à des livres comme La Tulipe Noire, de Dumas, je n'en dis pas de mal, nous lisions avec passion, ou Le Capitaine Fracasse, de Gautier, ou même Mon Oncle et Mon Curé. C'est au hasard de la mémoire que je cite. Je venais donc d'entrer en seconde quand, tout à fait par hasard, mon père avait acheté dans une vente des paquets de brochures ficelées. J'ai été à même de plonger
brusquement dans le monde balzacien. C'est à dessein que j'évoque cette expérience, parce que elle m'a laissé, et je le retrouve encore très bien les traces aujourd'hui, une sorte de stupeur, un effarement. J'ai été littéralement envoûté. Et pourquoi ? Eh bien, mon Dieu, parce que c'était quand même prématuré. J'ai eu la sensation un peu suffocante d'un viol intellectuel, si j'ose dire. Eh bien, depuis, naturellement, j'ai relu Balzac. Je me suis adapté à mesure que je vieillissais. Mais mon impression première est restée absolument ineffaçable. D'où vient sans doute que même aujourd'hui, eh bien, il arrive que l'énormité balzacienne me déconcerte quelquefois, même au plus vif de mon admiration, quand je suis vraiment le plus pris et le plus complètement pris. De même, si vous voulez, Le Rouge et le Noir, que j'ai lu en Cagne, donc un peu moins tôt, mais sans doute et encore un peu prématurément, d'ailleurs pour des raisons différentes. Eh bien, aujourd'hui, l'adaptation, je le reconnais, c'est mieux faite pour Stendhal que pour Balzac. Je serais plutôt stendhalien que balzacien, et je crois que cela tient pour une part à un décalage moins brutal. Et c'est maintenant que j'en arriverai à Tolstoï. Car lorsque je l'ai lu pour la première fois, j'entends quand j'ai lu ses grands romans, Anna Karénine, Résurrection, eh bien j'étais vraiment sorti de l'enfance. Autrement dit, j'avais assez mûri pour me sentir atteint, comment dire, eh bien de plein fouet. Ma réceptivité était d'avance adaptée à ces romans, elle leur était accordée, c'est-à-dire que leur chaleur propre, leur vibration intérieure, leur éclairage, leur aura, et jusqu'à leurs contradictions, et jusqu'à leurs intempérances, tout m'attirait, tout m'annexait, enfin je me sentais baigné, imprégné, j'avais confiance, et assez confiance pour m'abandonner sans réserve, ou plutôt, le mot me revient, mais enfin pour m'y précipiter comme dans une sorte d'abîme. Et c'est alors que j'ai lu Guerre et Paix. Eh bien, dispensez-moi de commentaires, d'ailleurs ces commentaires ont été faits avec assez de pertinence et de richesse pour qu'il n'y ait plus à y revenir. C'est à cause de ce que je suis, bien sûr, et de ma complexion originelle, je le dis en toute humilité, mais un peu à cause de Balzac, en dépit des réserves que j'ai dites, davantage à cause de Stendhal, pour des raisons auxquelles j'ai fait allusion aussi, mais surtout à cause de Tolstoï, que mon admiration, aujourd'hui comme hier, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, va d'abord et reste fidèle au thaumaturge, au créateur de monde, beaucoup plus qu'aux inventeurs de systèmes, aux romanciers, aux grands romanciers comme est Tolstoï, plutôt qu'aux philosophes, et je n'en accepte pas le Tolstoï que l'on pourrait dire le Tolstoï philosophe. C'est-à-dire que je suis ainsi, je ne vous ai pas pris en traite, je vous ai dit que je vous dirais selon moi. Eh bien, je suis peu sensible à l'esprit messianique de Tolstoï. J'avoue que cela me laisse assez froid, ou plutôt assez indifférent. Cela m'est égal, le Tolstoï romancier, le Tolstoï créateur, le Tolstoï inventeur de monde, inventeur et modeleur de personnages, celui-là, alors vraiment, je crois pour moi, est resté en effet un homme à partir duquel il n'était plus possible de concevoir le roman et d'écrire comme on écrivait avant lui. Oui, d'ailleurs, je crois qu'il a donné finalement les deux recettes, ou plutôt les trois recettes fondamentales dont doit s'imprégner tout écrivain. Tout d'abord, essayer de mêler le réel et l'imaginaire d'une façon telle que la ligne de rupture soit pratiquement inapparente entre les deux ordres. Le deuxième point qui me paraît important, c'est cette prière merveilleuse qu'il adresse, « Donnez-moi la simplicité du style ». Voilà. Et le troisième point, « Aidez-moi à dissiper le mensonge », puisque Tolstoï, même quand il est un bon ouvrier, reste quand même toujours tourné vers, mettons, ce Dieu d'ailleurs qu'il ne connaît pas, qu'il ne peut pas définir, mais vers lequel il a toujours tendu par un souci de perfection et de perfection artistique, et c'est en faisant bien son métier, je crois, qu'il a appris à définir ce monde de beauté vers lequel, peu à peu, il s'est tourné, ce monde de beauté, ce monde de foi. Je pense que vous avez conclu vous-même, Pierre Cipriot, mais il y a un mot qui m'a frappé dans les dernières paroles que vous venez de prononcer, c'est le mot de démarcation. En effet, voilà ce pourquoi je crois j'admire le plus Tolstoï, c'est parce qu'il n'y a pas de ligne de démarcation entre les personnages de sa vie
et celle de la vie tolstoïenne que représentent pour moi encore, enfin, des œuvres inoubliables, des mondes, je le répète, comme Résurrection, comme Anna Karénine, comme La mort d'Ivan Illich, et surtout, comme Guerre et paix. Vous venez d'entendre Analyse spectrale de l'Occident. Aujourd'hui, Tolstoï par Pierre Cipriou, assisté pour la réalisation de Hélène Delabrusse. Avec Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel de l'Académie française, Jean Guénaud, André Mauroy, Henri Troyat, tous trois de l'Académie française, avec des textes de Tolstoï, lus par Alain Cuny, Ledoux et Sylvia Montfort.